Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je vise le grade youtubeur sur Palladium et il me faut 20 000 abonnés. Tu peux participer à mon objectif. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Eh bien, salut tout le monde, ce serait comment allez-vous? Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une totale vidéo sur Palladium. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une farm à XP Bosch. Donc, bien sûr, quand je dis je vais vous apprendre à faire une farm, c'est bien sûr comment trouver des XP Bosch, comment les utiliser et comment faire une farm assez opti. Bien sûr, juste avant de commencer la vidéo, il y a un nouvel objectif de like qui arrive sur la chaîne, c'est tout simplement tous les 100 likes. Donc, voilà, tous les 100 likes, je fais cuire un stack de titane dans mes fours pour mon métier de mineur. Donc voilà, si vous pétez la barre des likes, je ferai cuire beaucoup de stacks de titane. Donc voilà, en plus, une fois que ma quantité de titane sera terminée, on passera à l'améthyste. Et puis voilà, donc bah n'hésitez pas à liker cette vidéo, hein. Donc avant de poursuivre la vidéo, je vais vous laisser avec un petit don de Timéo. Aussi, pour tous ceux qui souhaitent me faire des dons, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord communautaire qui est en description. Donc voilà, vous avez juste à le rejoindre, vous aurez le grade d'abonné. Voilà, c'est assez simple, comme j'ai dit, rejoindre mon Discord communautaire qui est en description. Et puis voilà, si vous souhaitez me faire un don. Du coup là on se retrouve pour le don de Timéo 132,90. Là on se retrouve sur Minaria. Donc voilà, c'est bon, Timéo m'a TP. Donc voici son don, ah oui quand même. Alors il faut lire les capanos, ok, la caisse TP, t'inquiète pas, je règle. Je te fais ce don car je te kiffe en youtubeur. Ok, du coup j'essaie de traduire parce que j'ai pas beaucoup de palas, je pense qu'il veut dire ça. Donc j'ai mis le nombre de palas que je pouvais et le premier don s'est fait piller. Oui parce qu'il m'a dit que le premier don s'est fait piller. J'aimerais faire un ou deux pièges avec toi, je serais hyper content, voilà tout. Lis les panneaux avant d'ouvrir le coffre. Okay, je pense que c'est ces panneaux là, parce que ces panneaux là je pense que c'est pour après. Vas-y ouvre, ok. Question, du coup on va ouvrir. Bah en tout cas bah merci à toi. Fait franchement en plus le petit cœur avec les blocs d'or, les blocs de diams et les blocs de fer et tout. Oui je pense qu'on va commencer par prendre l'améthyste. Donc par contre je sais plus comment on fait pour prendre tout d'un coup. Ok bah c'est bon, c'est comme ça. Donc voilà, toute l'améthyste, il y a un stack et 12 d'améthyste. Bon on va les rajouter deux stacks et 12 d'améthyste. C'est vraiment beaucoup hein, il y a vraiment beaucoup d'améthyste. Ensuite il y a 18 blocs d'or, il y a 11 blocs de diamants, 30 blocs de fer. Ok c'est du fer, je crois que c'était du titane de base. Ensuite il y a 18 minerais de titane, il y a 32 lingots de palladium et en plus il y a des XP Bosch pour ma farm d'XP Bosch qu'on va faire juste après. Donc voilà, bah merci à lui. Comme je vous dis, pour tous ceux qui veulent me faire des dons, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord communautaire. Je pense que je vais ouvrir aussi un petit channel don. Donc voilà, il faudra juste me dire. Donc les gens racontent que ça va prendre l'épée, tu es le meilleur youtubeur du monde. Ou faut que je prenne l'épée, je pense, c'est ça. Du coup, il faut prendre l'épée et si je prends l'épée, je suis le meilleur youtubeur du monde. Attention, et hop, voilà, j'ai pris l'épée. Du coup, je suis le meilleur youtubeur du monde. Donc abonne-toi et lâche un like. Voilà, sinon, bah merci à toi. Je sais pas si je peux récupérer. Les blocs, je me demande si je peux récupérer les blocs quand même, on sait jamais, je préfère demander. Puis pour moi voilà, les dons ils sont pas c'est pas forcément un don énorme qu'il faut me faire. Bon, par contre désolé, j'ai détruit tes panneaux, désolé désolé à toi. Et voilà le dernier bloc. Du coup on va faire un peu l'inventaire. J'ai 50 hop, ok, il y a le petit bloc ici. Du coup j'ai 59 blocs de fer, j'ai 32 blocs de diamants, j'ai 31 blocs d'or, j'ai 19 minerais de titane et 37 lingots de palladium. Bah merci à toi en tout cas. Aussi pour tous ceux, voilà, parce qu'en fait j'ai demandé qui TP loin de ça. Et pour tous ceux qui me disent Sonray t'es pas le vrai, Sonray avec 2 Y c'est vraiment moi hein, calmez-vous, c'est plus Sonray tiré du bas ou c'est pas juste Sonray tout court comme ma chaîne. Et avant oui, mon ancien pseudo était Sonray avec un tiré du bas. Et non, mon vrai pseudo c'est Sonray avec 2 Y. Donc voilà, maintenant vous le savez. Donc c'est bon, j'étais assez loin en minage, le truc c'est que l'anglider ne marche plus. Donc je peux plus me déplacer aussi rapidement en minage. Du coup j'étais obligé de prendre un bateau. Donc là je suis à peu près à 1000 blocs du spawn et je vous montrerai comment avoir des XP Bosch. Du coup c'est hyper simple, il faut juste aller en minage, vous pouvez juste en trouver un minage, il vous faut une pioche et des cave blocks. Vous posez les cave blocks, voilà moi j'en pose 4 et puis vous regardez, et par exemple ici voilà vous avez 2 XP Bosch comme vous pouvez le voir, et normalement ici voilà j'en avais encore 2 juste ici, et voilà c'est très simple, vous posez vos cave blocks, vous allez miner et vous allez dans la direction des XP Bosch. Et bien sûr les XP Bosch peuvent se récupérer avec n'importe quoi, voilà vous pouvez même les miner à la main. Et contre le truc c'est que je n'ai pas de pioche IFI 5, du coup je mine hyper lentement. Et du coup voilà je suis juste en face d'un XP Bosch comme vous pouvez le voir, on peut les voir au cave bloc comparé au minerai, voilà modé, donc la métisse et le titane et tout ça, on peut pas le voir au cave bloc. Et voilà, il y a un XP Bosch juste ici. Regardez, je vais le miner à la main pour vous faire voir. Et voilà, donc j'en ai 63. Donc voilà, mon but là c'est d'atteindre les 1 stack d'XP Bosch pour vous montrer comment faire une très bonne ferme. Donc voilà, j'ai un stack et un XP Bosch. Du coup, on va retourner en faction. Parce que je vous déconseille de faire ça en minage, vu que les minages à chaque maintenance ou à chaque mise à jour, les minages sont reset. Ou je crois même ils sont reset toutes les semaines, les minages. Du coup, si vous faites une base ou même une farm dans le minage, en fait,
quand il y aura le reset, et bah la farm va tout simplement disparaître. Ok, du coup là je suis dans ma farm de Volcania, donc je vais vous montrer vite fait une petite farm vraiment très opti. Donc voilà, déjà de créer une espèce de petite tranchée là, de mettre de la terre. Oui, les XP bush peuvent se mettre sur n'importe quel bloc, hein. Par exemple ça peut être de la cobble ou ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de la terre, vous allez voir pourquoi. Et ensuite de faire un deuxième espace comme ça. Donc voilà, ça fait un peu office de deuxième étage, hein, pour les XP bush. Bien sûr je vous conseille de faire ça mais carrément plus grand, hein. Par exemple de faire je sais pas combien encore de, par exemple de creuser les murs ici de ça, et de faire ça mais en beaucoup plus grand. Et tout simplement je vous conseille aussi d'être level 5 farmer pour pouvoir faire de la fertilisée dirt. Donc pour la fertile vous avez juste à prendre une houe en diamant, et hop, vous bêchez votre terre et ça vous fait de la fertile. Et donc voilà, vous avez vos deux étages à fertile. Bien sûr, vous pouvez faire un troisième étage, mais bon, bon allez, on va quand même faire un troisième étage pour vous. Ok, donc on a tout fait, il reste plus qu'à bêcher. Donc voilà, donc ça fait trois étages. Et ensuite, vous avez juste à poser vos XP bush juste ici. Et vu que c'est de la fertilisée, bah vos XP bush vont pousser plus vite parce que oui, là, ils ont pas atteint leur format d'utile, ils sont vraiment tout petits. Hein. Ils ont trois formes, XP bush. Donc ils ont une forme, allez on va dire petit, après ils ont une forme adolescente on va dire, et une forme adulte. Donc, par contre pour les poser ça va être galère. Et voilà, vous avez votre petite ferme à XP Bush. Donc moi je vous conseille de rajouter des torches parce que je sais pas du tout, dites-moi en commentaire si vous le savez, s'il faut des torches pour XP Bush pour qu'ils puissent pousser. Donc voilà, j'ai mis des torches et maintenant il faut attendre que ça pousse. Donc bien sûr une fois que XP Bush a atteint sa forme adulte, il va pas revenir tout petit et repousser, il va vraiment rester adulte et après ça va vous donner des XP Bush. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc voici ce que c'est l'XP Berry. Donc c'est ce que donne l'XP Bush. Donc là je vais attendre, il est 15h05. Du coup je vous retrouve quand il y en a un qui réussit à venir adulte. Donc par exemple ici voilà, lui il est devenu on va dire adolescent. Donc voilà, vous voyez bien la différence de taille entre les deux. Bien sûr on se retrouve une fois qu'il y en a un adulte et qui donne l'XP Berry. Du coup on se retrouve une fois qu'ils ont poussé. A tout de suite. Bien, retourne quand je dis, il était 15h05 et là ça fait à peu près depuis 15h20. Donc voilà, ça a pris à peu près 15 minutes pour que une seule XP Bush donne de l'XP Berry. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont arrivés adultes. Hein, voilà, là il y en a 3, 4, 5. Ouais, il y en a à peu près une dizaine qui est arrivée adulte. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui a donné des XP Berry. Bien sûr, quand vous faites une farm vraiment énorme avec plusieurs stacks d'XP Berry, par exemple, imaginez une farm avec 10 stacks d'XP Bush, c'est énorme. Hein. Bon, voilà, hop, regardez, je vais la récupérer. Bon, bien sûr, il faut faire clic droit dessus. Voilà, récupérer avec n'importe quoi. Donc, hop. Et voilà, ça vous donne une XP Berry. Bien sûr, j'ai 70 levels. Une XP Berry, ça donne. Si vous êtes par exemple level 0, ça vous donne quasi un level par XP Berry. Par exemple, regardez, je vais en prendre une. Voilà, ça m'a donné juste ça. Bien sûr, je suis level 70, hein, il faut pas abuser non plus. Donc je pense que je vais détruire ces XP Bush et je vais faire dans une prochaine vidéo une assez grosse farm à XP Bush. Oh bah tenez, hop, elle nous a donné une autre, donc on va les prendre. Donc voilà, au moins je vous ai montré comment faire une farm assez petite. Après vous pouvez me dire pourquoi t'en mets pas par terre et tu marches dessus. Tout simplement parce qu'en fait les XP Bush ça vous on prend des dégâts en fait. Regardez, je vais en poser une par terre et regardez, hop, voilà, ouais, on prend des dégâts. Si je sais que en V4, parce que je crois que les dégâts sont arrivés à partir de la V5, en V4 on pouvait faire des farms. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'en fait en V4 on pouvait faire des farms et on pouvait marcher sur XP Bush parce que ça ne nous donnait pas de dégâts. Mais à partir de la V5, Palladium a installé un système de dégâts pour XP Bush. Du coup, dès qu'on s'en approche d'une, on prend des dégâts en fait. Sinon, oui, j'en aurais mis par terre, j'aurais fait aussi des étages aussi. Pour tous ceux qui me disent pourquoi tu fais pas des murs d'XP Bush, parce que oui, avant on pouvait faire des murs, par exemple, on pouvait poser une terre ici, on posait un XP Bush ici, on minait la terre, et XP Bush restait en haut en fait. Bon, là ça lag, mais voilà, XP Bush restait en haut, comme vous avez pu voir, il est détruit, et ensuite on pouvait poser un XP Bush encore en dessous, où on pouvait faire des murs d'XP Bush. Le problème c'est que bah à partir, bah je crois que c'est depuis la V5 aussi, ils ont juste un système où en fait dès qu'on mine le bloc qui est en dessous d'XP Bush, l'XP Bush saute. Bah, c'est assez dommage. Du coup bah en fait ça c'est les farms les plus optiques que vous pouvez trouver. Voilà, c'est faire 3 étages, je vous conseille vraiment 3 étages maxi. Donc bah maintenant on va passer à la suite de la vidéo. Du coup pour cette suite de vidéo on va farmer mon métier de mineur. Oui, j'ai acheté un droit avec beaucoup de minerais dessus, il date depuis plusieurs, ça va faire quasi un mois que je l'ai. Il est toujours pas utilisé. En plus il reste dans ma base qui est à 3%. Ou imaginez, il se fait piller. En plus je l'ai payé 64 blocs de pala. Donc j'ai payé à peu près 500 000 $. Avec dedans beaucoup de minerais pour monter mon level mineur. Voilà, il y a beaucoup de titane, d'améthyste. Je pense qu'on va aller commencer à faire cuire tout ça. Bon et bien gros tout le monde, donc j'ai mon drawer avec beaucoup de minerais à l'intérieur. Mais ça c'est toujours moins que les titans dupliqués que Xotex a fait cuire dans sa vidéo. Mais bon, après c'était dupliqué, moi je ne pense pas, parce que le mec m'a dit qu'il avait miné je crois 30 heures en minage pour avoir ce nombre de minerais. Donc je vais vous faire voir vite fait la quantité de minerais. Donc voici la quantité de minerais. Donc il y a 1300
titane, il y a 1032 d'améthyste et 219 de palladium. Donc moi j'ai envie de dire que c'est un peu quand même énorme. Voilà, quand je l'ai dit à chaque vidéo, il y en a que j'étais 2 likes. Donc là, pour une vidéo, on va dire, allez, on va dire pour cette vidéo là, pour ma dernière vidéo, il y a quasi 200 likes. On va faire cuire 2 stacks, allez, 3 stacks et on va dire 1 stack d'améthyste. Donc voilà, j'ai crafté tout simplement encore des ogre furnace parce que tout simplement ça allait pas du tout assez vite. Donc là voilà, il y en a 16 dans les deux fours. Donc là pour l'instant j'ai gagné 7000 XP avec deux stacks de titane. Donc voilà, c'est bon, j'ai tout fait cuire. Donc voilà, mes stacks de lingots de titane et d'améthyste. Et je suis arrivé à 11700 XP. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, juste avant de finir, je tiens à vous remercier pour ma toute dernière vidéo. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est à 1600 vues. Et j'ai gagné pratiquement 100 abonnés grâce à cette vidéo. Donc je vous en remercie. C'est ce genre de vidéo qui me donne envie de poster beaucoup plus de vidéos, qui me donne de la motivation dans mes vidéos. Donc bah je vous en remercie, donc si c'était vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vise les 20 000 abonnés pour avoir le grade youtubeur tout simplement sur Palladium. Voilà, ça m'aiderait beaucoup pour mes vidéos, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et surtout en plus pour l'objectif de like. Il y a un mec qui me suit derrière, il me fait peur. N'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que je lis et je réponds à tous les commentaires sous mes vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo au maximum de personnes pour me faire connaître. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord communautaire parce que dès que je sors une vidéo, je poste la miniature par exemple, voilà, pour vous il est un peu, voilà, c'est un petit plus pour ceux qui rejoignent mon Discord. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter pour tout ce qui est concours et tout ça. C'était tout pour moi. Allez, ciao, bye les gens.